Bonjour! In today's video, you're going to discover historical sites from the comfort of your home. Salut! My name is Rochelle DeMayo, your native French instructor from Belterre Academy. And today I have the pleasure of being with Marie. Bonjour, Marie. Bonjour. Alors Marie, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu histoire et culture et comment découvrir des sites historiques virtuellement? Oui, histoire et culture, c'est un site web en français qui décrit des endroits exceptionnels à travers le monde. Des églises, des mosquées, des châteaux, des forteresses qui sont uniques parce qu'à cause des défis architecturaux qu'ils ont représentés pour leur époque. Dans certains cas, c'est des endroits uniques pour leur originalité. Donc, c'est des endroits du patrimoine mondial. Ils font partie de notre patrimoine. Alors, depuis que je produis ce site-là, depuis 5 ans, j'ai plus de 50 endroits exceptionnels à travers le monde. Pour chacun d'eux, je résume l'histoire du lieu en quelques phrases et je joins une vidéo. Dans cette vidéo, la vidéo que je trouve sur le site web, sur le web, et ce sont des vidéos de 5 minutes à peu près. Les vidéos rappellent l'histoire du lieu et permet aux lecteurs du site de visiter le lieu. Ah, c'est super. Alors, il y a des sites comme des endroits sur tous les continents. Ce sont des endroits qui font partie de notre patrimoine et j'ai voulu décrire leur histoire succinctement, de produire quelque chose de court. Génial. Donc, en fait, chaque visite virtuelle propose donc un texte et une vidéo et le tout en français, n'est-ce pas, Marie? Oui. Super. Alors, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec la technologie, on peut trouver des vidéos qui nous présentent les lieux tels qu'ils étaient à l'origine. C'est deux fois plus intéressant. Ah oui, c'est vraiment intéressant, j'avoue. Bah, super Marie, est-ce que tu pourrais nous faire du coup découvrir un de ces sites? Oui. Parmi les endroits, sur mon site, il y en a à peu près 15 qui sont en France. Alors, les gens qui sont intéressés à aller en France pourraient trouver une source d'information intéressante pour eux. Et j'ai choisi de vous parler du château de Chambord. C'est un château de la Loire. Je pense que les châteaux de la Loire sont assez connus et ils sont à 2 heures en auto de Paris, au sud de Paris. Le château de Chambord, c'est un château qui a été construit en 1519 par le roi François Ier. C'est ce qu'on apprend dans le texte. Et à cette époque aussi, c'est la période de la Renaissance. Alors, les Français étaient influencés par les Italiens, la Renaissance italienne. Ils voulaient faire ils voulaient utiliser les peintres, les sculpteurs, comme en Italie. Et même Léonard de Vinci est venu vivre près des châteaux de la Loire. Alors, on apprend ça dans le texte. François Ier qui a décidé de construire son château. Et aussi, c'est une époque où on pouvait faire des châteaux avec plus de fenêtres, des salles plus grandes qu'auparavant. Alors, le roi voulait montrer sa splendeur en faisant un château extraordinaire. Il y a des défis architecturaux, il y a 400 pièces dans le château et Léonard de Vinci aurait fait un escalier qu'on dit à double révolution. Alors, c'est assez exceptionnel. Donc, j'explique tout ça dans le texte et à côté, les gens peuvent regarder la vidéo et ils ont encore une fois l'explication sur le lieu, par qui il a été construit et ils peuvent avoir accès à cette information-là. Ils peuvent aller le visiter, aller à l'intérieur, voir les salles, voir l'escalier, le fameux escalier. Super. Alors, petite pause. Hey guys, if you're learning some history so far, you also are going to want to check out the video above on discovering historic San Diego in French. Marie, parle-nous un petit peu de tes débuts et qu'est-ce qui t'a encourager, pousser, motiver à justement faire toutes ces visites historiques?
Bien, moi, j'ai commencé à voyager très jeune, dans la jeune vingtaine, et j'ai visité beaucoup l'Europe, et j'ai fait certains pays de l'Amérique du Sud et de l'Asie. Et puis, étant très curieuse, je lisais beaucoup avant de partir, je lisais pendant mes voyages et après les voyages. Et depuis 5 ans, j'ai décidé de lancer un site web et une infolettre sur ces différents endroits que j'ai accumulés à chaque mois, parce qu'à chaque mois, j'ai un nouvel endroit que je mets en valeur. Alors, je n'ai pas fini de faire le tour de la planète de cette façon-là. Et puis, depuis plusieurs années, les gens voyagent beaucoup, de plus en plus. Alors, là, on vit un moment exceptionnel avec la pandémie, mais les gens voyagent de plus en plus. Ils vont en Asie, ils vont en Amérique du Sud. Et là, encore une fois, c'est des endroits qu'on connaît moins, comme Angkor Wat au Cambodge, la Chine, avec il y a la murale de Chine. Alors là encore, on se pose des questions sur la construction de ces endroits gigantesques, sur les civilisations également, sur les religions qui sont très différentes, parce que nous ici, en Amérique, on allait plus souvent en Europe, comme en France, ça nous représentait un peu plus, mais là, on se questionne encore plus sur l'Amérique du Sud, par exemple, Machu Picchu. Comme tous les archéologues, on se questionne. Alors, c'est ce qui m'a incité à faire ce site-là. Et je continue. Je trouve continuellement des endroits exceptionnels. Super. Ça peut être des nouvelles découvertes aussi. Oui. Mais des nouvelles découvertes sur des lieux du patrimoine. Oui. Eh bien, chouette. Alors, du coup, tu as également publié un livre. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus, du coup, de ton livre? Oui, alors récemment, j'ai produit un livre qui s'intitule 50 sites témoins de notre histoire. Alors, j'ai mis en valeur seulement 50 sites. Et pour chacun des sites, j'ai décrit l'histoire sur 2 pages avec plus de photos que sur mon site web. Et encore une fois, je prends des vidéos et les lecteurs peuvent avoir accès aux vidéos à cause d'un code QR que j'ai ajouté sur chacune des pages. Et avec leur téléphone intelligent, les gens ont seulement à scanner le code QR. Et c'est toujours des vidéos courtes, en moyenne 5 minutes, qui permet d'avoir un rappel de l'histoire en français et de pouvoir visiter le lieu. Aussi, je fais un lien avec une adresse URL d'une référence pour les gens qui veulent en savoir davantage. Par exemple, quelqu'un qui adore l'architecture et qui veut savoir quels sont les peintres qu'ils ont vus dans un château ou une description de l'architecture. Ils peuvent avoir cette information-là. C'est pour les gens qui veulent en savoir davantage, parce que je suis consciente que mes textes sont courts également. J'ai voulu faire des résumés, mais sur 500 ans d'histoire, souvent, on peut écrire des livres. Alors, mon livre, 50 sites, témoins de notre histoire, permet aux gens de pouvoir prendre des notes également. C'est ce qui est avantageux par rapport au site web. Ils ont un résumé des endroits sur 2 pages, plus un vidéo. Ils peuvent prendre des notes. C'est avantageux selon s'ils sont en voyage ou s'ils suivent des cours de français. Et puis, à la fin, j'ai ajouté un petit questionnaire juste pour s'amuser avec 10 questions sur des endroits qui ont été illustrés dans le livre. Là, il est disponible dans une librairie en ligne qui s'appelle bouquinbec.ca. Alors, que vous soyez apprenant de la langue française ou enseignant, eh bien, il est vraiment absolument impératif de pouvoir découvrir le site web et le livre de Marie également pour explorer le tout en français. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.